Hey, salut à toutes et à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour le 32e épisode avec Carthage. Je vais pas la faire tout de suite cette bataille parce que j'ai un petit récapitulatif à faire. Parce que en fait, si vous voulez, à la fin de l'épisode 31, vous avez vu, j'ai eu un problème de performance. Et donc du coup, je me suis demandé quoi. J'ai quitté le jeu sauf que j'avais pas sauvegardé. J'avais pas sauvegardé à cet endroit-là, du coup, je me suis servi donc de la sauvegarde automatique pour revenir. Sauf qu'elle m'a fait revenir au tout début du tour. Et sauf que le début du tour, c'était quand on n'avait même pas encore vécu l'embuscade des Parthes qui était ici. Non, l'embuscade était là, ouais. Et donc voilà, du coup, j'ai dû de mon côté refaire à peu près pareil. Donc je me suis mis là, mon armée était là, j'ai subi l'embuscade des Parthes et si vous voulez, les Parthes, je n'ai pas voulu refaire cette bataille. J'ai fait en bataille automatique et le résultat a quasiment été le même. Les Parthes ont subi de lourdes pertes et moi aussi, et les Carthili s'en ont pris à moi aussi. J'ai perdu d'ailleurs cette bataille contre les Carthili. Donc du coup, ils m'ont éliminé l'armée qui était là, comme c'était convenu, comme il s'était vraiment passé dans le 31e épisode. Sauf que dans le 31e épisode, l'IA avait fait repartir l'armée des Parthes et l'armée des Carthili, ou du moins que l'armée des Carthili. Et ça fait que j'ai pu seulement me débarrasser des Parthes dans le 31e épisode. Sauf que là, ils ont laissé les deux armées, et donc du coup, et que l'armée à Tanaïs, j'ai pu aller me débarrasser de l'armée des Parthes et des Carthili. Bon, je sais pas si vous avez très très bien compris ce que je voulais dire, mais bon voilà, en tout cas, le problème est résolu. Ici j'ai recruté, dans le 31e épisode j'avais recruté là, mais en fait j'ai remarqué que les casernes étaient quasiment les mêmes, il y a un peu plus de choix ici, mais j'ai ce qu'il me faut globalement, j'ai l'infanterie libyenne et les hôpitaux de Carthaginois, voilà, j'avais oublié leur nom. Donc voilà, et là un changement aussi dans le 31e épisode, il y avait une armée ici à Syrac. Une armée de la Bactrie, je ne l'ai pas vue. J'ai fait aller mes espions, je ne l'ai pas encore vue. Donc soit elle arrive au prochain tour, soit l'IA a décidé de faire autrement. Donc voilà, je suis en stress parce que j'ai plus que cette armée là en fait. Donc du coup j'hésite vraiment beaucoup. Mais voilà, au prochain tour, j'attends que cette armée se soit un minimum reformée et je vais me débarrasser et prendre Phanagoria. Donc voilà, je crois qu'il n'y avait pas eu d'autres changements. Ah si, au niveau de la diplomatie, l'Arménie m'avait demandé la paix. Là, ça n'a pas été le cas. Elle ne m'a pas redemandé la paix. Par contre, les Sargassiens, oui, m'ont redemandé la paix. Les Kidri ont repris quand même la ville qu'il y avait ici, je ne sais plus son nom d'ailleurs. Je crois que c'est tout. Ah, et aussi je crois que je leur ai repris Samosata ici. Oui, voilà. Je leur ai repris la ville, je l'ai rasée et je vais la refaire. Je vais la garder quand même, de toute façon j'ai pas envie de garder l'Arménie trop longtemps. En vie parce qu'ils vont refaire une armée très chiante et j'ai pas envie de resubir des assauts comme ça. Ils attaquent toujours pas. J'aurais vraiment pensé que l'armée de Chypre aurait attaqué Tyros, mais non, c'est, je sais pas, j'étais déçu parce que j'aurais pu vaincre cette armée et prendre Salamis peut-être par la suite. Mais non, ils ont préféré ne pas attaquer, ce qui était déjà plus judicieux de leur part. Donc voilà, donc il est bientôt... il va être bientôt 21h. J'ai commencé il y a 5 minutes. D'accord. Bon, on va pouvoir faire enfin cette bataille. J'ai fini mon récapitulatif. Donc une fois que je l'aurai fait, du coup, j'aurai plus qu'à prendre Phanagoria et j'aurai quasiment fini mes objectifs, surtout au niveau des objectifs de territoire. Après, je sais plus trop ce qu'il y a d'autre, mais bon, voilà. Après, j'aurai vraiment quasiment fini.
on commence cette bataille. Je suis en infériorité numérique. Ils ont bien 1300 hommes de plus que moi à peu près. Ouais, peut-être même un peu moins. 1200, 1250, 1300 à peu près. Il faut pour ça qu'il va falloir pas gâcher la cavalerie. Il va falloir rien gâcher du tout. Et être minutieux. Parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup d'unités de tir en face, surtout au niveau de la garnison. Et du coup, c'est un cercle vicieux. J'ai pas envie de revoir mon armée défiler comme ça. Juste à cause des frondeurs comme avec l'armée de Parthes. C'est pour ça en fait quand j'ai vu que j'avais pas sauvegardé et que je devais refaire le tour tout seul, je dis si je la mets en résolution automatique et c'était mieux en fait. Et je voulais pas revivre cette bataille pourrie là parce que c'est vraiment très 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 chiant, c'est un truc de fou. Donc pour l'instant c'est bon, j'ai pas de problème de FPS, c'est vraiment génial. Je tourne quasiment à fond, hein. De toute façon je vais vous montrer, normalement je dois tourner à fond. Voilà, j'ai une bonne résolution d'écran, j'en avais racheté un. Et voilà, le jeu est quasiment à fond. Mais c'est pas pour ça que le jeu bug. Il y a un moment, je sais pas, et ça me l'a déjà fait sur Attila. J'aimerais dire que mon PC il suit plus ou il marche au ralenti. Du coup c'était assez bizarre. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre nos piquets là et on va aller bloquer l'entrée. On va aller bloquer l'entrée tout de suite. Et il me semble qu'ils ont une flotte en plus. Ils doivent avoir quelques navires. On va faire un petit régiment d'assaut. Hop. On va faire un petit régiment d'assaut. Normalement ça devrait être cool. Hop, on met ça derrière quand même. J'ai pas mis ça. Voilà, je les ai mis en phalange. Normalement j'en ai encore. Voilà, j'ai encore de l'infanterie libyenne. Faudra mettre ça tout devant. Quand ça sera le moment. J'ai de la cave. La cave, on va pas la jeter sur l'ennemi. Ça sert à rien. Et je vais laisser mes éléphants dans le coin. Et quand il y aura la flotte normalement viendra se mettre là, je pense. Ils vont pas aller chercher compliqué ou elle se mettra à l'intérieur. Mais si elle vient, je la surprendrai avec mes éléphants. Ce sont pas très nombreux, il y a que deux navires. Voilà. Donc du coup, on va pas se précipiter. Je vais prendre ça. Hop. Et on va venir ici. On va venir là avec ça. Voilà, la masse ennemie est là-bas. On va venir avec ma cavalerie de l'autre côté de la cité. Hop, ici. Voilà, la flotte ennemie s'immisce là, donc tant mieux pour eux. On va venir en premier lieu ici. On va pas s'embêter. Les piquets africains sont vraiment très très basiques hein, dans l'ensemble. Mais c'est les seuls piquets que je peux avoir et ça reste de très bonnes unités de piquets. Et puis c'est bien pour maintenir une cité ou même pour l'attaque. Ça peut être vraiment très très utile. Donc par contre on va pas perdre de temps. On va tout de suite y amener les peltastres libyens. Il me semble que c'est ça. Peltastres libyens. Parce que je sais qu'ils vont venir aller titiller mes piquets avec leur frondeur ou autre. Du coup je préfère m'en charger de suite. Je vais attendre que la mêlée se fasse à ce niveau là. Je vais attendre qu'elle se fasse la mêlée. Ils vont mettre leur lancier tout devant. Et leurs frondeurs seront à l'arrière, toutes leurs unités de tir seront à l'arrière et moi je pourrais attaquer. Par exemple là il n'y a que de l'infanterie, je pourrais même les attaquer l'infanterie. Ça ferait pas très beaucoup de mal pardon. Donc du coup on va pas encore mettre tout ça. Peut-être que si on va pouvoir les mettre. On va les mettre là, juste à l'entrée, on va pas prendre de risques. Parce que j'ai pas envie d'avoir trop de pertes à cause d'eux. Il y a encore beaucoup d'unités ici, elles gardent vraiment la ville, elles veulent pas être dérangées. Limite ça serait bien d'attaquer par là-bas, tout doucement.
Hop, faut pas avoir peur. Garde la vitesse. Hop. On va tirer dedans. On fait des pertes comme ça, on va vraiment faire des pertes. On dégage, on dégage, on dégage. Allez, allez. Ah, les Peltas Rolibia se sont pris dans la masse. Ok, le gros des forces ennemies est là. Les dieux sont avec nous. Je dois tirer sur les tirailleurs ibériques. On n'avance pas plus que ça, allez. Attention. Hop. On leur a fait un peu de victimes, très peu. On n'a pas l'air de décider d'en faire. Hein. Moi, je prends cher hein, quand même, je prends assez cher. Ça va pas et de tout repos cette bataille. En fait, j'ai pas envie de foncer dans le tas parce que je vais vraiment subir sinon. Alors, ah d'accord, ici on nous attaque en traître. On va attaquer, on va tout balancer. Ok, d'accord, ils nous attaquent là aussi. C'est très dangereux. En fait, j'ai perdu plein de monde. On va aller dans le tas. Oh, non, on va attaquer par là. On va vraiment attaquer par là. On va aller venir dégainer tout ça. Hop, je l'ai pas vu, je les ai vraiment pas vus. Et ils m'ont eu en traite avec leur scorpion à la con là. Je les ai vraiment pas vus. Ils sont en train d'user leurs munitions, ce qui est une assez bonne chose ici. Ok, bon, ici on fait ce qu'il faut pas. Il faut vraiment dégager très vite. Je vais essayer d'aller choper leur scorpion avec une unité. Je vais détacher une unité de cave. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Oups, ici. On se fait accrocher, on dégager. On va laisser ces petits monsieur se prendre dans mes pics. Hop là, c'est trop facile, allez, on peut les avoir tous. On va tous les avoir, c'est possible. Les scorpions sont juste là, on peut les avoir. Y a moyen juste avant. Excellent. Voilà, il y a tout ça qui arrive. On va pouvoir les attaquer. Ils pourront pas se battre sur plusieurs fronts. Moi, c'est ma cave qui a pris le plus cher, je pense, pour l'instant. J'y vais vraiment doucement, même s'il faut passer 20 minutes sur. Sur une petite bataille, enfin une petite bataille, c'est une bataille assez importante quand même. Hop, c'est bon, il y a la plupart de leurs unités de tir qui sont ici. C'est assez bon pour moi. Hop, il y a la moitié qui est ici. Hop, on va essayer de détacher là, on va partir par là. Il reste, garde quand même une unité qui reste là. Ils font attention. L'IA s'est vraiment amélioré. Hop. Hop, ah merde, là le général. Non, c'est même pas le général ça. Mais faut que j'arrive quand même à tromper les frondeurs.
Hop, c'est bon, on a chopé ça, on se barre parce qu'on est en train de tout perdre. Ah là là, mon unité de cavalerie, putain, j'ai même failli faire repartir. Les hommes sont hésitants. Dommage. On part. Tu t'arrives pas tout de suite, c'est une mauvaise idée. Mais faut les éloigner, pour réussir à les éloigner, faut pas qu'il y ait trop d'unités de tir qui martyrisent nos unités. Parce que sinon ça va être trop compliqué. Hop, oh les bouscule mais totalement. De toute façon, j'ai pas besoin de ces troupes ici, donc pas en Espagne, j'en ai pas besoin. Du coup, c'est vraiment pas trop grave si j'ai des pertes à cette armée, parce que j'en ai pas besoin. Je perds pas trop d'hommes, ça va. Allez, faut tenir. Nous attendons vos ordres. Fidèle fils de Carthage. Allez, on s'en va à nouveau. On perd pas trop d'hommes ici. Nous sommes fuis le champ de bataille. On a vraiment le dessus. Mais quelle honte. On a vraiment le dessus sur ça. Ils ont plus grand chose. Hein. Je crois qu'il y a plus, il y a plus que ça ici. En plus j'ai encore tous mes éléphants. Je pourrais les tromper même. Mes éléphants, je vais les faire venir là-bas. Hop, il y a une ouverture. Ils ont encore des unités de tir. Ils en ont encore une là. Il y en a trois ici. Ah, il y a une unité de tirailleur aussi. Enfin, de tirailleur à cheval. Ça c'est un peu plus chiant. Hop. Ouais, on les mène largement sur le combat. Ils ont vraiment de mal. Heureusement qu'ils ont le soutien. Ils ont le soutien avec ça. Parce que on les mène largement. Hop, on va essayer de les faire chier un petit peu. On va les charger dans le dos. Ça leur fera du bien. Et nous on va repousser ça. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ça va leur faire bien peur, ça. Voilà, ça craque. Ah, ça craque là aussi. Allez, on s'en va. De toute façon, ils sont plus que 3, voilà. Génial. Ils sont plus que 3 ici. Monseigneur, en avant. Ah, mes hoplites libyens n'ont plus rien. Mes peltas libyens, pardon. Du coup, on va les faire charger. Ça reste une infanterie de mêlée assez redoutable. Ça servira pour l'instant. Hop. L'infanterie libyenne va suivre. On prend le relais des piquiers. Avec ça, mes éléphants vont arriver. Pas laisser trop longtemps mes peltas libyens parce que après ils vont être KO. Les éléphants ils vont venir. Oula, on est en train de souffrir le martyr ici. En fait c'est leurs unités de tir qui sont vraiment très chiantes. Mais ça risque de pas durer de toute façon. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! On va charger dans ça. Il faut juste que cette unité tienne le temps que mes unités arrivent. Ouais, allez, hop, on va pas les laisser là. Et vous allez reculer un peu. Non.
tremper. Voilà. Ah, comme ça ici ça craque. De toute façon ça allait pas être une bataille facile hein. On savait. Nos hommes, notre général se fait attaquer. Non, c'est... T'as, j'ai eu peur, j'ai déjà cru qu'il allait me dire que votre général est tombé. Lol. Là, ça va faire partir tout le monde en fumée, ils vont tous craquer. Voilà, il y a plus de deux unités qui tiennent. Pas trop longtemps par contre, parce que sinon après, ils vont devenir fous. On va aller poursuivre les scutariers avec ça. Hop. Nous par contre, on va pas les lâcher eux, parce qu'ils sont vraiment très très chiants. On peut déjà détruire ceux-là. Ils sont obligés de régulariser le renfort. Ici en plus il n'y a plus rien. En plus là ouais je vais pouvoir charger avec ça. J'ai encore des javelots. Oh bah ils ont plus de munitions. Si c'est pour charger comme ça ils ont plus de munitions. Du coup il y a tout qui va partir en fumée aussi. Bon, désolé si je prends mon temps hein, pour la bataille, on a déjà passé beaucoup de temps, de toute façon je le verrai le temps qui reste. Mes éléphants ils vont continuer de détruire ça. Bon, de toute façon ça sert à rien de détruire, je suis en train de capturer une ville donc il y aura tout qui va mourir. Alors, c'est de la galerie, ils ont plus qu'une seule unité de tir. Donc, nous. On charge là. Les éléphants, vous faites le tour. À part toi, toi tu charges pas parce que toi tu vas mourir sinon. Allez là, il faut les détruire. Ah ouais, si, 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 je me disais bien qu'ils ont des javelots aussi. On va tenir le coup, ils pourront pas se battre sur deux fronts. Allez hop, nous on arrive là. Tout le monde. Tant que mon général il meurt pas, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, ce serait bien que tu te dépêches. C'est tuer leur général, si on tue leur général, il y aura tout leur moral qui va partir. Les piquets arrivent, les piquets on va les mettre là, sur le côté. Ok, les seuls qui partent. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! On va arriver là. Donc j'espère qu'on va pas se prendre les javelots. Nos hommes fuient le champ de bataille. Dans la tronche. Mais quelle honte! Une de nos unités est devenue forte. Ah putain, je m'en doutais. Dégage. On dégage tout ça. Non, 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 on n'est pas dans notre sens. T'as craqué ou quoi? Bon, tant pis. Si j'ai des unités qui meurent, tant qu'au moins tout ça, ça craque. C'est pas trop grave. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! C'est bon, il est déjà plus fou. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Voilà, c'est bon. Normalement, on les a vaincus. Voilà, excellent! Très coûteuse, je me doute. Bon, 18 minutes, d'accord. J'avais commencé de toute façon à 45 peut-être. Ouais, au moins 45. Bon, j'ai perdu beaucoup d'hommes, mais au moins j'ai enfin cette ville. Il me la fallait de toute façon pour mon objectif. Bon, de toute façon, c'est ce que j'avais dit. Par contre, je disais en 5-6 épisodes,
il me restait, j'ai fait le 30e. Je pensais terminer au bout de 37 épisodes, mais je pense qu'il m'en faudra à peine 33 pour le terminer. Donc voilà, c'est encore mieux. Je tente vraiment le tout pour le tout. Je m'en fous si je perds quelques petites villes à cause de rébellions ou de conneries comme ça. C'est pas trop grave. Tant que j'ai réussi à remplir mes objectifs. Et je m'arrête, comme j'avais dit, je m'arrête juste à la victoire militaire. Et la victoire culturelle et économique, je la mets un peu de côté parce que de toute façon, je suis aimé de personne. Donc pour l'économie, je crois qu'il faut au moins 14 accords commerciaux avec des factions. Donc c'est un peu mort, quoi, pour vous dire. Donc voilà, c'est plus possible. On va juste jouer jusque la victoire militaire. Voilà. Non, on l'occupe. En plus, ils ont un très bon bâtiment, donc c'est une bonne chose de l'avoir occupé. On va aller dans les objectifs. C'est quoi ça? D'accord. Oh bah excellent, je l'aurai ça bientôt. Il faut juste que je prenne la ville au nord là, comme ça j'aurai ce qu'il faut. Ah ouais, puis il y a Aegyptus aussi. Merde. Du coup, ouais, ah ouais, c'est pas du tout fini parce que je vais devoir aller chercher ces deux villes là encore. Génial. Attendez, est-ce que la Libye qui est là, la Libye n'est pas en guerre avec eux. C'est dommage. Il aurait fallu comme ça la Libye prenait ça à ma place, ça aurait été cool. La Nabatée qui est là encore. Bon, écoutez, c'est pas trop grave. Je peux faire la paix avec la Nabatée, ce serait cool. Soyez le bienvenu. Excellent. Monsieur. Voilà, on fait la paix avec la Nabatée, comme ça je les ai plus. Ils m'emmerdent plus. Du coup, bah ici, normalement, il n'y a plus de danger. Moi, je vais revenir. Je vais aller chasser l'Egypte pour reprendre Memphis. J'en ai pas besoin de ces villes, c'est de ça. Il me semble que non. Non, voilà. Bon. 60 unités navales. Ah ouais, je suis assez loin du compte quand même. 40 unités de mercenaires, d'accord. Bah, je suis assez loin du compte en effet. Du coup, le nord. Oula, ça va pas rebugger, j'espère. Donc. Oh, ça refait problème. C'est c'est vraiment très très chiant. Je vous le dis, c'est vraiment très relou. Du coup, ouais, il nous faut que Phanagoria déjà et j'aurai ce qu'il faut au niveau des régions. Ouais, ça refait le problème, ça m'énerve. Je sais pas c'est quoi. C'est vraiment pas normal. Ce qu'on va faire déjà, ouais, faut que je regarde ça. Ah quand même, d'accord. C'est cool. J'avais pas vu. Du coup, bah on va passer le tour. Si on y arrive. Donc, attends, je vais faire une petite pause. On sait jamais. Ça a l'air de s'être tassé de toute façon. Ah, pas tellement. Bon, si. On passe le tour. Oh, génial. Super Corsa. Toi. Pour vous, ouais, ça a l'air de s'être tassé. Putain, même pour la prise de Samosata, il y avait quasiment pas de défense. Ils m'emmerdent avec ça. Ils ont vraiment que ça qu'à faire. Voilà. On s'en fout. On passe le tour. Voilà. Bon, ça devrait aller. La Bactrie, ah oui, la Bactrie est en train d'assiéger Nicomédia. Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais, il y avait une armée ici.
C'est pas une... C'est des armées pourries, j'ai l'impression. On va pas y prêter trop attention, d'accord. Bah prends l'os, ça te fait plaisir. Je la reprendrai juste derrière de toute façon. Donc voilà. Ah, et oui, en diplomatie, ce qui a changé, c'est que... Monseigneur désire déposer les armes. La... Ok. On va finir sur de bonnes bases avec vous, ce sera cool. En diplomatie, ce qui a changé, c'est le royaume d'Audris m'avait déclaré la guerre dans l'épisode 31. Et là, non, ce n'est plus le cas. Il ne m'a plus déclaré la guerre. Donc bah, là, c'est cool entre nous. Mais voilà, sinon, ça avait changé. Bon, c'est bien, j'ai la fait la paix avec la Nabatée, c'est vraiment cool pour moi. Le reste du territoire de la Nabatée ne me servait à rien de toute façon. Quand je chasse, je cherche à... Excellent, j'ai encore moins d'ennemis comme ça et j'ai un état client qui est excellent. Ok. Ouais, donc, un quartier, je te mets dans le cul. Entre nous. Voilà. J'ai vraiment pas envie de m'embêter avec tout ce qui est bas quartier ou des conneries comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Du coup, bah, je m'en calme. Excusez-moi du mot. Mais c'est vrai, je m'en fous. Alors, c'est au nord que j'ai besoin de cet argent pour la production de cette armée. Notre seigneur a besoin de bons combattants. Voilà. On peut pas aller au-delà. Non. 11 unités. Ici, normalement, je dois pouvoir attaquer cette armée. À l'attaque. Ah merde. J'ai pas les forces nécessaires. Le dommage. Combat. C'est con. C'est vraiment très con. Du coup, bon bah on va rester là pour l'instant. Je peux pas quitter l'endroit de toute façon. Je me ferai bien une nouvelle baliste. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Maintenant au sud, en Égypte. Ouais, moins 20 quand même, c'est chaud. Bon, de toute façon, la Libye est ici pour m'aider. Hop, on va aller chercher Memphis. On va redétruire les Égyptiens. Ah ouais, les cons, ils sont là-bas aussi. Ah, c'est emmerdant ça. C'est pas trop grave. Ah, c'est con, je l'aurais bien pris ça. Je l'aurais bien pris cette unité. Bon, au prochain tour, je ferai des mercenaires. Parce qu'il y a l'objectif aussi pour les mercenaires et il faut le faire. Par contre, niveau flotte, j'en ai pas du tout. J'ai pas de flotte. Et il faut 60 unités pour les flottes, donc du coup, voilà. Je pense que c'est un objectif que je ne remplirai pas, parce que les flottes ne me sont pas indispensables, en fait. Du coup, voilà, je vais pas essayer... Parce que à la fin, en fait, j'aurai toujours pas besoin des flottes, et du coup, juste histoire d'avoir là... La victoire militaire, je vais devoir passer les tours, je vais devoir vous faire voir en train de passer les tours juste pour remplir l'objectif des 60 unités navales, ce qui est totalement inutile. Oh d'accord, ça bug, j'ai l'impression. Ouais, c'est chiant. Oh, ils sont encore là. Putain, ils ont des armées vraiment partout. C'est marrant ça. Les cons. Oh bah c'est bien, s'ils vont se barrer pour aller attaquer la ville là-bas, moi je vais pouvoir attaquer Phanagoria. En plus il y a les mêmes plumes défendues. C'est vraiment génial. Et on s'arrêtera au tour suivant, je pense. Ah, j'ai aussi Lycomédia à les défendre.
On pourra anéantir cette armée, je pense que ça suffira à enfin il se montre. Les Atropatènes. Je pense qu'ils ont pas grand chose à faire. Bon, si, à part m'emmerder, ça faire que ça. Putain, ils ont trois grosses armées encore. La Bactrie est vraiment puissante. Hein. Ils ont une armée à Nicomédia, ils ont une armée au nord, ils ont une armée au niveau de Gazaka. Ils sont vraiment puissants encore. Pourtant, je leur en aurais mis dans la tronche. Hein. Je crois que j'ai dû leur détruire au moins 3 à 4 armées. Et ils en ont vraiment dans la tronche. Ils sont toujours sur pattes, quoi. Ils sont vraiment difficiles. Du coup... Comment puis-je vous servir ? Non, j'ai pas porté sur eux, ça c'est vraiment con. Bon. Bah, je suis refait. Ah putain, je peux pas l'attaquer du premier coup, ça c'est chiant par contre. La ville peut tenir largement. Je vais juste continuer de recruter. Hop, davantage ça. Ça. Hop, j'ai des petits mercenaires comme ça, ça fera plaisir à mes objectifs. C'est vraiment juste pour ça que je le fais. Ça, c'est pas des mercenaires par contre. Oh, bah, je peux en prendre plein là. En plus, j'ai même pas d'unité de tir. Ouais, c'est excellent. Allez, on prend tout. On leur prend tout, comme ça, il y a tout le monde qui est content. Et en plus, ils peuvent bouger. Oh, je les aime, ces enfants. Voilà. C'est quoi ce truc là-bas? Il a l'air d'y avoir du mouvement. Oh, puis un Myosormos est quand même bien défendu. Donc, ouais, ils sont casse-couilles. Hop, les points d'Amilcar. Voilà. T'as l'armée, elle s'appelle quand même comme ça. C'est chaud. Parce que les points d'Amilcar entre nous, c'est pas terrible, terrible, terrible. Oh, bah, allez chercher ça. Voilà, j'ai deux états clients, j'en ai trois même. Parce que j'ai une amnette aussi. C'est excellent. Hop, du coup là d'urgence va falloir aller là-bas. Parce que il y a Chypre qui décide de m'emmerder. Non, toi tu vas plutôt aller là-bas. Et c'est toi qui va venir à Tarsius pour contrer ça. Toi, ici. Allez, on est des kékés, on va les emmerder. Et on va attaquer ça. Parce que la ville est sur le siège. Sous un siège de la Bactrie depuis peut-être 4-5 tours. Hop. Voilà. On les détruit. Et voilà. Il n'y a plus de Bactrie. Tout de suite. On les a bien niqués comme on le fait. Voilà. Bon, du coup, toi. Repars par là. Puis je pense qu'on va se faire un petit kiff. On va faire un assaut final. Hein, dans le prochain épisode, on fera ça. À votre service. On attaquera, même si on perd une ou deux armées, on s'en fout. On attaquera tout en résolution automatique. Ça serait très marrant, vous allez voir. De toute façon, faut que j'envahisse le sud aussi. Je pense que je passe le tour ou pas. Non, je vais pas passer le tour. Je vais passer au prochain épisode le tour. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.